Et de tout. Que Dieu bénisse. Amen. On regarde tous. Quand Satan s'est approché d'Ève et qu'il a dit, tu sais, le fruit agréable, elle s'est arrêtée un instant. Oh, c'est là qu'elle a fait une erreur. Quand elle s'est arrêtée un instant. Vous voyez, nous, c'est différent, frère. Oh, nous, on ne négocie pas. Vous voyez, notre position. Dieu bénisse. Amen. C'était la quitte pour nous déjà, frère. C'est pourquoi on ne doit pas s'arrêter pour le diable. Amen. Dieu bénisse. Amen. 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 Il dit, ne vous arrêtez pas pour quoi que ce soit. Oh, vous savez le message. Amen. Nous avons Christ dans la parole. Amen. Vous savez le message. Il dit, ne vous arrêtez pas pour quoi que ce soit. Amen. Dieu bénisse. Amen. Et quoi que ce soit, c'est quoi que ce soit. Amen. Peu importe ta chose, qui a une apparence belle. Peu importe son apparence. Mais nous avons la parole qui nous dit quelque chose à propos de cette chose-là. Nous devons réagir concernant, frère. Alléluia. Nous devons concernant, frère. Peu importe ce qu'on est en prison, allons en prison. Mais gardons la parole. Dieu bénisse. Amen. Nous dit, ne vous arrêtez pas pour quoi que ce soit. Vous avez le message. Amen. Jésus vit. Amen. Dieu est un guérisseur. Amen. C'est ça le message. Amen. Ne vous arrêtez pas pour quoi que ce soit, aucun raisonnement, ni rien d'autre. Amen. Nous nous reposons sur ce que Dieu a dit. Amen. Dieu bénisse. Amen. Amen. C'est ce que vous faites avec moi. Amen. Il dit ceci, au centre de cette. Maintenant, quand on se lance en ordre de bataille, oh. Il dit maintenant le diable est installé près de chaque cœur ce soir. Il est installé le cœur, il est installé le cœur de cette petite fille. Il est installé près de votre cœur. Il est installé tout autour là. Il dit, oh, je t'ai déjà vu essayer auparavant. J'ai déjà entendu ça auparavant. Lorsque vous lui résistez, c'est ce qu'il dit là. Oui. Lorsque vous vous opposez à son programme, c'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit là. Lorsque vous vous opposez à Satan comme on l'a dit, c'est ce qu'il dit là. Lorsque vous vous opposez à tout ce qu'il enverra pour vous nuire, c'est ce qu'il dit là. Amen. Lorsque vous vous opposez à son raisonnement, c'est ce qu'il dit là. Amen. La dernière fois qu'il dit même chose, dis-lui quand j'ai dit ça, j'étais vaincu. Vous comprenez ça, frère? Amen. Il va toujours essayer, frère. Un personne, il rôde toujours, frère. Il me dit faille, il frappe. Donc, mon frère, Pierre dit, soyez sobre et feignez. Votre adversaire, le diable, rôde, rugit comme un lion. Lui, il ne peut pas, frère. Frère, on dit, n'essayez pas d'être quelqu'un. Oh. Vous voyez, j'ai essayé de passer le tableau. Ceux qui suivent, à bout du temps. Il dit, n'essayez pas d'être quelqu'un. Arrêtez ça. Merveilleux. Et surtout, ne bluffez pas. Amen. Car lui, ne bluffe pas. Amen. Vous portez le frein, frappe. Je ne pas, frère. Vraiment dit dans l'aiguille de ce livre dans le monde, il dit, la Bible était ce même écrit. Qui c'est un combat franche. Vous voyez, de chaque instant, frère. Amen. Donc, on n'a pas du jouer, frère. Alléluia. Vous jouez, excusez-moi, je vois, on va aller vous couper du revoir. Et puis la bataille continue. Parce que j'ai fait sa garde. Amen. Dieu bénisse. Amen. C'est un lutte. C'est pour ça que j'ai fait le cadre en parlant de mes animaux. Là-bas, même les plus petits mangent les plus forts. Parce que là-bas, chacun se bat pour sa survie. Vous voyez ça? Amen. Bien. Il est obligé. Allons-y, frère. Donc, le monde est un chaos. C'est ça le chaos, frère. Le chaos, c'est le chaos. Mais avec nous, il n'y a pas de chaos. Amen. Avec nous, il y a un établissement des choses. Amen. Oui. C'est pour ça que quand on dit, ici, il dit, tout à l'heure, dans la rue. Hein, ceux qui restent ici, il dit, Amen. Oui, Dieu bénisse votre nom. Il dit, je fais un rétro. Il dit, ne vous arrêtez pas pour quoi que ce soit. Amen. Vous voyez, il dit, vous avez le message. Amen. Vous voyez, il dit, Jésus vit. Amen. Dieu est un guérisseur. Amen. Il dit, c'est ça le message. Amen. Pas que Dieu soit un guérisseur seulement, mais il a pas d'exemple. Oui, brûlez toute la positivité que nous avons. Il dit, ne vous arrêtez pas, pour quoi que ce soit, aucun raisonnement, ni rien d'autre.
Oh, il est bénissé. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, c'est cela. Lorsqu'il viendra dans vos oreilles, lorsque vous allez me résister, et qu'il viendra dans vos oreilles, vous dites, mais la dernière fois, tu as dit ça? Je connais cette chanson, c'est ce qu'il va vous dire. Enlève-moi Satan. Non, je te chasse. Il dit, non, oui, je connais cette chanson. Dites-lui, c'est la plus belle des chansons. Amen. Je n'ai pas d'eux. Nous ne sommes pas la de tes disques, Satan. On ne sait pas que tes disques, non. Amen. C'est une chanson, on n'a plus le plaisir. On n'est pas chaque fois. Amen. Oui. 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 Il essaie de vous distraire. Pour que ça vous lasse de dire chaque fois, c'est le château de Jésus. Le château de Jésus. Les pères prennent sa prise de divinité en plus. Toutes ces choses. Mais nous, nous n'en vivons pas. Amen. Nous avons ce qui se passe. C'est la parole. Elle le verra tout de suite. Quand elle est prononcée, elle va le faire. Amen. Dieu veut dire. Donc, quand on dit, il dit, si vous parlez aussi, il dit, chassez-le. Amen. Il dit, chassez-le, c'est tout. Amen. Dieu bénisse frère. Il dit, chassez-le. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ici, notre texte, le chasser. Amen. C'est exact. Le chasser, il dit, nous avons été entraînés. Amen. Oui. Donc, on n'est pas lassé d'être entraîné chaque fois. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut toujours apprendre à le chasser, au chasser tout. Amen. Que Dieu le soit. Amen. Dans une pluie, chassez-le tout simplement. Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit, qui sera comme David? Il a dit, amen. Vous restez là. Et laissez ce Philistin ainsi qu'on signe des filles dans le Dieu du monde. Et moi, j'ai le commandement. Amen. Il dit, amen. Commandons toi pour sa chair. Amen. Il dit, Dieu fait des hommes. Amen. Et les femmes, ce soir, qui pourront se lever et dire, je prendrai le Seigneur à sa parole. Amen. Amen. Peu importe quel échec il y a eu. Où il y a eu ceci et cela. Est-ce que c'est lui cela à faire? Il dit que c'est la vie d'aller voir. Tous les saluts et tout. Si vous avez peur de lui, le Seigneur donc à votre place. Amen. Même le Dieu amen. Va d'avant. Amen. Des hommes vaillants. Des hommes de foi. Amen. Des hommes puissants. Amen. Des hommes de sens. Amen. Ils n'ont pas besoin d'être intelligents. Non. Ils n'ont pas besoin d'être instruits. Non. Ils n'ont pas besoin d'être. Ils ont besoin d'être des canaux. Amen. Dieu s'en parle de ton petit canot. Un ton frère. Debout et disponible pour lui, frère. Amen. Où est sa frère? Amen. Dieu bénisse moi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Que Dieu bénisse frère. Alléluia. Dieu s'en parle de ce petit cas. Oui. Où est sa frère? Amen. Ils n'ont pas besoin d'être instruits. Non. Ils ont besoin d'être des cas. Amen. Des gens qui chaque jour, c'est n'est pas les mêmes. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que nous sommes pour la colombe qui se nettoie chaque fois. Amen. C'est pourquoi nous sommes cela. Vous voyez? La colombe se pose sur la nôtre. Dieu bénisse. Amen. Et nous sommes ces canaux-là. Ces petits canaux qui, on ne leur apprend pas cela. On ne les pousse pas pour cela. Mais ils sont conscients. Ils doivent se détruire. Amen. Tu n'as pas aimé ça. Celui qui a montré n'a pas aimé ça. Il est toi. Au reste du monde. Partout il va. Partout il est. Dès qu'il est là, la seule dit attention, tu veux dire. C'est cela. Lui qui a l'intérieur. Lui de la blonde. Qui n'est plus à sa foi. C'est pourquoi on s'en tue. Dieu bénisse. Alors, pour l'instant, c'est toujours dans la première partie de Dieu. Frère, il est le temps considéré. Amen. Là, Satan, c'est assez frère, c'est bon. Dans le jeu. Façon, là, on a dit, si j'ai pas le temps de lui, il dit, dans la fin entre Dieu et nous, Satan ne comprend pas. C'est même important, frère. C'est nous, on doit l'important. C'est pas beau, c'est pas beau. Il ne comprend pas, nous. Oui. Pas du tout, frère. Amen. Pas du tout. Amen. Amen. Là, ça se bizarre pour commencer. Il dit, nous acceptons tout ce qu'on a parole. Oui. En nous prenant sur Dieu. Merci. Et alors, il y a un courant qui passe entre vous et Dieu. Tous les canons s'ouvrent entre vous et Dieu. Donc, où est-ce qu'on fait? Et voilà la bataille. La toute première, le foie. Il dit, nous, ne nous servons pas d'une carabine. Non. C'est non. Faisons une pomme atomique. Il dit, vous allez faire un peu du faux.
Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est pour madame? La foi en sa parole. Amen. Dieu l'a dit. Oh. Amen. Dieu l'a dit. Amen. Frère, c'est suffisant pour le priorité. Amen. Dieu l'a dit, point. Amen. 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 Quand il dit avec un Satan, on ne comprend pas. C'est ça qu'il a. Amen. C'est une bombe atomique. Amen. Amen. Qu'est-ce que fait une bombe atomique? Elle est la victime. Vous voyez quelque part, je ne sais pas le livre, quelque part, il dit quand elle descend comme ça, il dit les démons sautent. Ça les fait exploser, ils sautent. C'est quoi? La foi dans sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. C'est ce qu'on a lu dans le 2:6. Il dit armez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. 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 Dieu bénisse. Amen. 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 Oh, continuez. Vous voyez? Il dit la foi en sa parole. Voilà la bombe atomique de Dieu. Elle fait sauter la maladie. Amen. Et les démons de tous côtés. Amen. Elle fait quoi? Yes. Sauter la maladie. Amen. Et les démons de tous côtés. Amen. L'église, on pense ensemble. Elle fait sauter la maladie. Et les démons de tous côtés. Amen. 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 Oui. Quand on répète cela, ça veut dire. Amen. 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 Elle fait sauter la maladie. Et les démons de tout maudit. Amen. C'était mon frère. Amen. C'était au réel. Amen. Et elle les anéantit. Amen. Elle détruit. Amen. Tout simplement. Amen. Elle les intègre. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Quand cette bombe, la foi tombe là-dedans, avec la parole de Dieu derrière elle, oh, elle fait sauter tous les démons, amen, toutes les maladies et les fumetés. Amen. 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 C'est ça où il est, frère. Amen. C'est ça où il est, frère. C'est tellement frère. Oh. Frère, donne la parole. Vous voyez, quand vous êtes sur les champs de mission, vous pouvez donner la parole. Parce qu'il n'y a rien pour défendre. Amen. Vous n'avez rien pour défendre. Absolument rien, frère. Le dernier, soit vous allez parler, vous n'avez rien pour défendre. Mais vous voyez que j'ai la parole à ce prêtre. C'est pas pour vous. Dieu bénisse. Amen. Si vous n'êtes pas soumis à elle, vous allez comprendre tout. Il dit alléluia. C'est ça, 46. Tu as trois fois dans ce livre. Il dit nous avons un général assez que toi. Amen. Il dit ça s'écrit J-E-S-U-S. Amen. Il pose 5 étoiles sur lui. Amen. Amen. Il n'a jamais perdu de bataille. Alléluia. Il a donné un coup sur la chair. Il a vaincu la mort. Amen. Je suis la mort. Amen. Et la tombe. Amen. Il est au terme du chemin. Amen. Il est le grand capitaine en chef. Amen. Le terme ne compte même pas. Amen. 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 Même pas. Amen. Le terme est zéro. Amen. Amen. Il ne compte même pas, frère. Amen. Si je marche, il n'est pas vu un demi tour dedans. Mais Dieu t'a fait courir. Alléluia. Donc, c'est pas la paix, Satan. Donc, vous voyez, sois à l'aise, frère. La vie chrétienne, là, sois à l'aise. Amen. Alléluia. Qu'il y ait une intimité entre vous et Dieu. Amen. Ne communiez jamais, Satan. Amen. 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 Je vous bénisse. Continuons. Il dit la grande taille de la soeur est proche. Oh. Alléluia. Il dit, soldat, avec votre armure qui est vos couleurs qui frottent au vent, la foi et le doute sont en jeu en rentrant dans la bataille. Dans ce bâtiment ici, oui, ce soir, oui, le doute d'un côté, la foi de l'autre. Il dit, soldat, tenez-vous à votre poste. Amen. Alléluia. Amen. Notre capitaine, amen, l'étoile du matin, amen, marche en tête. Amen. Il ne recule jamais. Amen. Jamais. Alléluia. Il ne connaît pas le mot de tête. Amen. Il n'a pas à prendre le tête. Amen. Je vous en dis amen. Amen. Certainement. Amen. Oh, alléluia. Mais, ouais, il y a une chose que je veux dire. Oui. Il y a lui, là, qui va plus loin. Quand on arrive à cela, le temps qu'on arrive. Vous voyez, il dit ôter les démons du chemin. Amen. Pourquoi il parle? Alléluia. Ôte les démons de ta vie. Amen. Le chemin de ta vie. Amen. Il ôtait les démons du chemin. Amen. Pour mieux se la matière de Dieu, la foi dans sa parole, débouche-toi. Ôte les démons
vitamine. Amen. Donc, soyons mieux, Dieu l'a donné. C'est pas dans les mains des feux, parce que c'est plus ça se subisse. On a lu la vie tout à l'heure. Il voulait appeler sa vie. Vous êtes assis là-bas. Il ne voulait pas être dans ce combat. Pas pour vous. Amen. Donc, si encore les petits mots dans ta vie, reste là-bas. Amen. N'est pas bien d'abord, puis tu viens de le joindre. Amen. Mais Dieu bénisse. Amen. La prière m'a tellement livrée. C'est pas pour les enfants, frère. Que Dieu bénisse. Amen. Continuons un peu. Il dit ceci. Amen. La première bataille jamais vécue. Elle se déroule ici même en ce moment. Oui, monsieur, entre ta vie et la mort. Amen. Entre ta maladie et la santé. Amen. En ce moment même. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi, pour mettre en marche l'acte atomique de Dieu, que ce soit la même que ce que tu entends. Peu importe le besoin, ce que tu entends. Tu mets foi à ce que tu entends, qui ne pas la mienne, mais qui s'apparente. Automatiquement, si tu sais que tu es sincère et que tu es dans le besoin, que le canal est ouvert, Dieu rentre. Tu es dans ma communauté. Chaque chose que Dieu fait, le chrétien, il est en danger. Amen. Oui, frère. Chaque chose que Dieu fait, mais Dieu en sort toujours. Amen. Vous ne pouvez pas dire qu'il s'en sort toujours. Oui, frère. C'est vrai. Pas jeune. Amen. L'ennemi nous poursuit là. C'est pas classique en vrai. L'ennemi nous poursuit. Persévérons toujours. La couronne est après. Le grand combat des lieux de faire l'essai. Hein? C'est Dieu qui a dit. Dieu veut se prendre. Vous voyez? Il dit, oui, monsieur, donc en ce moment ici, ce soir, les deux choses sont là. Si tu vas faire constant, tu vas avec la mauvaise but. Tu vas faire constant, tu vas avec la maladie. Tu vas ici. Tu vas faire constant, tu vas avec. Elle la loi. Mais si tu regardes ce que tu entends, mais que tu ne vois pas, parce qu'en réalité, la vie du croyant sur terre, c'est de vivre ce qu'ils ont. Amen. Amen. Donc, ce que tu entends, tu ne vois pas ça. Mais tu entends. Amen. Comment alors cela vient? C'est ta foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, alors. Dieu t'a dit ce soir à prendre la foi dans ce que tu entends. Amen. Mais c'est possible. Amen. Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, frère. Beaucoup savent pas que la guérison, le Saint-Esprit, on obtient cela, on écoute la parole de Dieu. Amen. Beaucoup savent pas ça. Amen. Beaucoup savent pas ça, frère. C'est vrai. Pourtant, ici, à l'église, pour moi, si on est bien enseigné. Mais les gens, excusez-moi, vous voyez. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, il continue. Il dit, elle se déroule ici même en ce moment. Oui, monsieur, entre la vie et la mort. Entre la maladie et la santé. Entre la foi et le doute. Il dit, oh là là. Entre la liberté et l'esclavage. Amen. La bataille se poursuit. Oh. Amen. Vous voyez, ça continue. Alléluia. Tant que tu vis, il est mis de te mourir la chambre. Même si tu as eu, il ne peut pas vouloir te passer. Mais va bien. Vous voyez? Bien de bébé, vous n'avez pas que tu tues ça demain. Donc, on va continuer de faire. Et faites piller vos lances. Amen. C'est temps. Astiquez la mule. Ce soir, je veux qu'on aille dans un endroit où le chrétien a tout ce qu'il faut faire. Amen. Voilà. C'est ça. C'est ça, mon cher ami, le coup de Christ. Loyal. Loyal envers quoi Dieu l'a dit. Amen. Alors, ça la rend pratiquement noble. Amen. Oui. La noblesse, la parole, on l'obtient lorsqu'on accepte tout ce que Dieu dit en nous souvenant. Amen. Dieu bénisse. Josué n'a pas été noble comme cela. C'est parce qu'il est allé avec tout ce que Dieu a dit. Amen. Dieu l'a dit. Ça l'a rendu noble. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Faites prier vos lances, soldats. Astiquez la rue. Dieu est en train de préparer ses soldats. Amen. Ce soir ici. Amen. Amen. Dieu, où est son armée? Amen. Pas sa parole. Oh. Et où est son armée?
Frère, cette nuit, il y a une guerre dans ta maison. Il te boue ce soir. Amen. Va payer la nuit. Amen. Va payer la nuit. Amen. Pour ton besoin. Amen. Il te boue ce soir. Amen. Pour la nuit. Amen. Cette nuit, je ne dormirai pas. Amen. Ce soir, il te boue. Il est en train de te conditionner. Amen. La plus grande partage avec nous. C'est de lui ici même ce soir en ce moment. Il dit, oui monsieur, quand t'as dit la mort, quand t'as dit et la santé, quand t'as foi de tous. Vois ça? Oh là là, quand la liberté est, veux-tu être libre ou bien toujours cela diable? Comment ça? Vous voyez ça? Que Dieu bénisse. C'est quoi tu dis? La partage se poursuit. Dieu est en train de préparer ses soutiens. Amen. Donc arrêtons de venir à l'église de manière ordinaire. Amen. Il faut que chaque soir, chaque dimanche, on monte. Amen. On monte spirituellement. Amen. Et il faut que notre vie de prière change. Amen. Frère, maintenant, on est rétrograde. Lorsque notre de prière diminue. Quand l'intensité diminue, on est tout bien. Dieu bénisse. Je ne sais pas, non. Je veux parce que pourquoi on prie. Parce que pourquoi même c'est soit ici qu'on a prié, j'ai dit mal ici. Moi j'aime ce genre de réunion. Que Dieu bénisse moi. Continue un peu. Vous voyez? Donc c'est cela. Dieu est en train de voir ses soldats. Il dit Amen. Dieu oint son armée. Il continue, frère. Dieu oint son armée. Avec quoi? C'est pas pour son esprit. Dieu oint son armée, frère. Il dit, l'armée habite ses soldats avec ce qu'il peut. Pour le mieux qu'on a du monde. Vous savez, frère? Oh. Il te casse en acier. Allez dans oh. Ici, le deuxième. C'est qui alors? Il te casse en acier et les armures. Et tout ce qu'ils ont. C'est pourquoi la bien, la puissance, même si c'est Côte d'Ivoire, le Dieu le plus constant, c'est le Dieu de la défense. Oui, frère. Oui. Tout ce qui est spirituel et physique. Vous voyez ça, frère? J'espère que vous comprenez. Allons-y, frère. Amen. Vous voyez? Des haies, des agneaux, et tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils sont, des chats à se prêter, et ceux dans quoi ils se déplacent. Voilà. Ouais. Écoutez bien ici, frère. Dieu a pris son armée. Amen. Il dit, alléluia. Fais vendre un pouce ta chair. Quel genre d'équipement utilisons-nous? L'esprit de paix. Amen. La parole. Amen. La parole, oui. Amen. C'est ça l'esprit de paix. Amen. C'est pas l'épée seulement, frère. Mais une paix, oui. Amen. Qu'on appelle l'esprit de paix. Amen. Une parole, oui. Amen. Qu'on appelle l'esprit de paix. L'esprit, c'est cet esprit. Donc Dieu, il équipe son armée. Avec quoi? L'esprit de l'épée, la parole de Dieu. Amen. Vraiment dit Amen. Amen. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée avec tranchante. Amen. Le 4. Prétend jusqu'à 18 l'os. La voix de l'os, elle sait même ce qu'il y a dans la porte. La parole de Dieu le couvre sa parole. Amen. Et c'est de cette armure-là que Dieu le fait. Amen. Ou appuie. Oh. Amen. 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 Hmm? Amen. Et vous voyez ça? C'est ça dans ce siècle présent qui peut faire ça. Amen. Uniquement que ça. Alors, je venais dans le cas avec des frères de Goumassi, où je trouve toi. N'est-ce pas? Assis-moi. J'apprends à raconter un peu ce qui pourrait être sa mésaventure, Dieu que ça fait une mésaventure. L'un, par exemple, je ne dis pas le nom. Dit, mais dans mon travail, quand les filles viennent, elles font des pistes à tout le monde. Mais quand elle est là à mon niveau, je le vois. Vous voyez, ce siècle dans lequel nous sommes, c'est une vie. C'était gênant avant, c'est plus gênant aujourd'hui. Des femmes qui ne se posent même pas à pêcher, c'est ce qu'on a de voir. Tout simplement. Vous voyez, oh frère, vous allez voir tout le monde. Donc, tout ce qui est mauvais est fait. Amen. Dis-le. Avant, on ne peut pas faire une bise à une femme. Bon, un homme ne peut pas faire une bise à une femme. Avant. Si ce n'est pas sa couple, ou sa femme. Mais aujourd'hui, les femmes font des bises aux hommes.
Je ne dis pas les hommes, les femmes. C'est l'inverse, mais de manière accélérée. Elle ne se gêne pas pour les bises aux hommes. Parce qu'elle veut faire comme les Françaises et les Occidentaux. C'est donné pour moi. Vous voyez? Et si le frère n'était pas dur, il va l'accepter ça. Tout mon frère, sauf lui, qui lui passe. C'est pour ça que vous. Donc, frère, c'est important de nous respecter le temps de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris une question conformément à la prière dans cette prédication. Lui, on doit être seul. Dans la sobriété, il y a ce qu'on appelle la lucidité. Amen. Ça. Amen. Donc, ne pas boire et fumer, ce n'est pas ça qu'on parle ici. Amen. On parle d'une lucidité spirituelle. Amen. Il ajoute, fait. Amen. Ce est seul. Mais il ajoute, ouais, les mots dans le sens. Il ajoute, veillez. Car votre adversaire, le diable, frère, c'est un temps où tout est mélangé. Dissolution. Donc, les gens vous prennent efficace dans les paroles, dans les cabinets, dans les entreprises. Oui. Vous n'êtes pas fort, on vous prend du suite. Frère, on dit, nous, on n'est pas fort mentalement, mais eux, ils sont forts mentalement. Vous voyez? Et ils sont, ils ne sont pas forts, ils sont forts. Il va dans le grand jeu, il dit tout le monde est réalisé. Oui, frère. Le grand dit, revenons à lui ici. Arrêtons nous en Dieu. Amen. Il dit, au mot portrait, je prends la caisse. Alléluia. Ça suffit. Que je ne sache pas m'exprimer devant eux. Mais que je l'ai en moi, ça me suffit. Il s'exprimera. Face à ces gènes qui étaient de ce monde. Va s'exprimer du monde. Pour nous avoir justice, il s'exprimera. Plus pour nous avoir, il s'exprimera. C'est pas vous. Dans le verset de tout le cas de Dieu, la baptême, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous ne pouvez pas le vaincre. Il dit, vous ne pouvez pas le vaincre. Il dit, laissez-moi venir en vous. Ou entrer en vous. Il dit, je le partais là. Faut adresser là. Mais on refuse qu'il offre. On refuse qu'il offre. Laissons-le entrer là. Amen. Il fait ce qu'il a fait. Loïs. Vous voyez, c'est important. Il est jusque-là. Il est elle qui sait même ce qu'il y a dans la pensée. La parole de Dieu, de croire sa parole. Et c'est cette année-là que Dieu le fait. Amen. Amen. Oui, frère. Il nous revient de cette année que sa parole. Alors que je suis en train de dire, j'ai dit, je compris. Alors, ça vous a le point de Dieu. J'ai dit, oui, on s'est malheureux. C'est le nom de ceci. Amen. Amen. Alors, je sais. Il dit, je ne sais pas, mais je suis porté à croire que Josué était juste un tout petit bonhomme. Juste un petit bouton. Je peux le voir sauter sur une espèce de caisse et dire, homme frère, à 2 millions de gens, nous sommes plus que capables de le faire. Amen. Voyez-vous pourquoi? C'était là une semence d'Abraham. Amen. Dieu fit la promesse. C'était leur possession. Dieu fit la promesse. Quelle que fût l'opposition, la vraie sémence d'Abraham disait, nous pouvons nous en emparer parce que Dieu nous l'a donné. Amen. Sœur, amen. Au calvaire, amen. Il a bouleversé ta guérison. Amen. Donc, Dieu te l'a donné. Amen. Au calvaire, il a bouleversé ta mentalité et aux enfants. Donc, Dieu te l'a donné. Amen. Au calvaire, il a bouleversé ton esprit. Amen. Donc, Dieu te l'a donné. Amen. Pour nous t'abdonner, tomber les parutions. Amen. C'est déjà privé. C'est pour ça qu'il y a eu de l'appel. Pour mettre fin à la bataille. Amen. Dieu le son frère. Amen. C'est pourquoi on n'a plus été inquiet. Amen. Si il y a eu de l'appel, frère, je suis encore inquiet. Amen. Vous avez inquiet, frère. Vous n'avez plus été inquiet, il faut les bonnes mots. Mais pas Dieu au mot, c'est lié. Vous voyez, à une vie de puissance. Amen. Alléluia. Oh, c'est beau. Parlons Dieu au mot, pas hypocrisie. Vraiment, ça marche pas. Jamais. Ne prends pas la parole. On lève tout le message par cœur. Madame, mais
pas soumis à Dieu, pas d'âme. Il ne regarde que vous. Amen. 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 Il y a rien qui l'appelle. Oui, c'est pas pour. La foi de cette heure, cette foi qui l'appelle, c'est une foi obéissante. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Vous voyez? Je continue. C'était leur position. Dieu fit la promesse. Quelle que fût leur position, la voix qu'on a blanc disait, nous pouvons nous en emparer parce que Dieu nous l'a tout. Mais je ne sais pas si les deux voient plus là. C'est un soir, c'est vrai, mais il y a des positions. L'opposition est tenace. C'est une opposition qui fait peur. Mais il y a des choses faites. Si là en face de vous, telle opposition, telle que ce qu'eux avaient là-bas, à Jéricho, à Canaan, est-ce que vous pouvez faire les mêmes paroles que eux, ils ont été? Alléluia. Ils ne les mettent pas dans le champ. Alors, mettez la tête. Doucement. C'est que je venais de lire. De lire. Ils n'ont pas répété ça dans la chambre. Ni à l'église ici. Donc, on lit, puis on s'en va en train de lire. Mais face à l'ennemi. 2 millions. De personnes. Donc, face à l'ennemi, si tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne peux pas répéter ça. Juste là. Ils ont dit quoi? Quelle que fût l'opposition, la verse de la disait, nous pouvons nous en emparer parce que Dieu nous l'a tout. Amen. Et donc, c'est qu'ils voient. Ils disent qu'ils vont affronter cela parce que Dieu a réglé la question. Amen. Il n'y a pas eu qu'à l'heure pour ce jour-là. C'était le sang de vous et de tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Mais nous, c'est le calvaire. Le sang de Dieu, ce péché sang. Donc, vous voyez que c'est, il y a un écart. Il veut dire qu'il n'y a pas peur. Il dit pourquoi avez-vous peur? Il dit de quoi avez-vous peur? Voilà. De quoi avez-vous peur? Il dit voilà votre position ce soir. Amen. Quelle position? Nous pouvons nous en parler parce que Dieu nous l'a tout. Amen. Après, c'est une position. Amen. Que nous maintenant. La question est mienne. Amen. C'est une position que je veux dire. Amen. La foi fait est mienne. Amen. C'est une position, frère. Il voit la position de l'église du Dieu vivant. Il peu importe, sinon, peu importe ce que les autres disent, ce que le médecin dit, ou quoi que ce soit, ce que les croyants disent, nous sommes l'agent de taille à faire face à tout ce qui peut se présenter. Nous sommes la semence d'Abraham et nous posséderons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi, Dieu a fait la promesse. C'était à eux de leur position. Amen. Quel que soit l'ennemi, frère. Oh. Très malade, j'étais fait un test. Une analyse de Paris. Quand je parle de la fin de l'analyse, j'étais coincé. J'étais pas répété. Il y a le stade dans 10 ans. Et on nous oblige à faire le test du système. J'ai fait ça aussi. C'était gratuit. Vous voyez bien ce témoignage. Ou après, les résultats sortent. Dieu m'appelle pour le palu, tous les autres trucs. J'ai vu, on est venu, on vient, je crois bien, je vois telle chose. Et il me sort les papiers là. Il me dit, vous voyez, il me montre. C'est non positif. Je suis devenu blanc d'un coup, d'une seconde. La plante de pierre a commencé à glacer comme si j'étais dans un réfrigérateur. Je suis en chien, je suis en démentible. J'ai dit que cette annonce est en train de me tuer. Il m'a pauvre, j'ai mes pauvres pour commencer des plans. Hein, frère, viens voir. Plans comme ça, il m'a pauvre. Et puis glacé en plus. Alors la foi à l'intérieur m'a dit. Pas que tu as accepté ça. C'est lui qu'on parle ici. Amen. Le secours qui nous amène dans l'église. Amen. J'étais dans l'église en ce moment. Il est venu en frère. Il est frère. Il est frère. Il utilise tous les problèmes. C'est un lâche. Vous voyez? C'est un sale bouche, tu dis. Dieu bénisse. Amen. Alors, j'ai commencé dans mon cœur à prier. En quelques secondes, la fin s'est réglée. Amen. Même pas une minute. Il dit, mais monsieur, il a commencé à prier. Elle est pénitente. Mais c'est pas beau. Mais monsieur. C'est pas beau.
Mais monsieur, dis-moi à quoi? Les faits que l'on dit. Non, mais dis-moi monsieur à quoi? Ah, c'est vrai que ça me trompe. Ça me rembourse. Dis-moi, je me suis trompé. Hein. Voilà. Non, je me trompe. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne peux même pas tromper. Je lui ai dit, vous savez quoi ça dit? C'est ça. Il dit, pourquoi? Non, non, c'est ça. Vous voyez? Il veut le tuer. Mais les cheveux, frère. Amen. Et il assure. Voilà, lorsqu'il a dit cela, j'ai vu ma vue. C'est là ce qu'il a vu qui est vrai. Il a vu que tu as vu que nous voulons filmer la vie. Toute notre vie. Le réel, oui, c'est ça. Parce que le pic dur que Dieu a est un chapelet. Amen. C'est le subconscient. C'est réel. Oui. Tu es fort. C'est un grand magicien. Vous voyez? Un grand concepteur. Tout met en place à nous. Donc, là, comme ça, attention, votre vie est restée. Caché dans l'ombre de noir, peu importe ça. Toute vie, tout est pris. Il en reste tout. Donc, quand on sait ça aussi, on n'a pas peur aussi. Ça, la vérité, frère. Ça veut dire que lui qui veut faire du mal, Dieu le voit. Amen. Même si on ne le voit pas, mais Dieu le voit. Alléluia. Donc, Dieu peut nous dire aussi ce qui se passe. Mais Dieu bénisse. Alors j'ai bien ce point Seigneur. Ceci m'a confronté à ma position. Tu vois qu'en réalité, nous avons pas d'achat. Dans les hôpitaux. Il y a un conseil. Il y a quelqu'un qui est malade, t'as vu du vite. Revoyez ça. Un peu hôpital. Un peu hôpital. Dis-le. Revoyez ça. Oui. Revoyez ça. Le petit conseil que je peux vous donner, avant d'aller à l'hôpital, priez. Avec la foi, d'abord. Mais ne priez pas dans l'esprit de dire pourquoi il est prié, je ne fais pas ça. Votre prière, c'est la peine aussi. Priez comme si vous ne faites pas le temps. Priez pour la guérison pour laquelle vous priez. Amen. La suite est finale. Amen. Vous continuez à pousser à l'hôpital. Il fait ce qu'il a fait. Mais au moins, vous l'avez appelé. Amen. Si vous êtes à l'hôpital, c'est lui qui vous envoie. Vous allez confirmer quelque chose. De toute façon, ce soir, c'est ça qu'on parle ici. Que Dieu nous bénisse, mon frère. Amen. Amen. Vous voyez? La guérison est votre possession. Amen. Oh, amen. Deux fois. Deux fois. Amen. Deux fois, frère. Amen. Amen. Deux fois, amen. Amen. Même si je suis en bonne santé, aujourd'hui, je vais me suivre ma promesse. Amen. Dans cette promesse. Amen. Elle est valable tous les jours. Amen. Alors, la guérison est ma possession. Amen. Comme on dit, voilà la première fois de l'église. Votre position, c'est une possession. Amen. C'est pas dans l'air, c'est quelque chose qu'on possède. Amen. Mais je ne sais pas si on a tout à l'heure, j'ai lu plus comme on dit, voilà la position de l'église. C'est quoi? C'est qu'elle possède. Amen. Il est temps qu'on possède, frère. Nous possédons quoi? Ses promesses. Dieu ne parle pas en l'air. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Le salut est votre possession. Amen. Le Saint-Esprit est votre possession. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse mon frère. Amen. Comment ça fait? Amen. Amen. Il dit ceci. Amen. Il dit, tu n'es pas vrai. Il dit, mais la semaine d'Abraham. C'est que ça. Il passe à l'attaque et possède les portes de l'ennemi. Dieu a dit qu'il le ferait. Amen. Vous voyez, c'est pas Dieu qui passe à l'attaque. C'est nous, on passe à l'attaque. On passe à l'attaque. Plus ou moins, on est en guerre. On passe à l'attaque pour posséder. Amen. Frère, laisse-moi te dire une chose. Ce soir, tu te réunis avec un diabète qui ne finit pas. Tu deviens qui? Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que je disais, lors d'une réunion des anciens, il a dit, ah, je ne sais pas plus, on a souvent des bilans de santé. Vous allez beaucoup fatigué, très fatigué souvent. Moi, j'ai accepté qu'on a pu se faire des bilans de santé. On allait faire, je découvre que j'ai une diabète. Il dit, bon, de toute façon, quand il y a le vrai, il y a le faux. N'importe quelle question, il y a lui, il a fait une constance. Il y a toujours deux. N'est-ce pas? Il n'y a aucun problème. Prochain rendez-vous,
Pour le bilan, ah, M. Cordeau, vous n'avez plus d'avance. Amen. Avant les deux. Amen. Frère, nous ne sommes pas les blancs. Amen. Nous, on reste à faire, nous, on fait bien. Amen. Dieu a dit, je vous donne votre position. Amen. Et pas moi dire quelque part, c'est peut-être, je ne sais pas si j'ai dit ça. Il dit, si vous ne le prenez pas, c'est que ça ne vous intéresse pas. Voilà. C'est tout. Il dit, vous n'avez pas à vous, il n'est pas pour cela. Vous l'avez déjà. Amen. C'est pas lui qu'il faut courir seul. Vous voyez, il a tout fait pour nous. Amen. Tout fait. Tout. Ce que nous avons fait, c'est de consentir. Et de voir qu'il a fait ça pour nous. Il obéisse. Donc, nous passons l'attaque et nous posons les points de l'ennemi. Dieu a dit qu'il le ferait. Nous le croyons. Parce que c'est une promesse. Amen. Sa sémence. Amen. Vous voyez, Dieu dit sa sémence. Posez-la à la porte de l'ennemi. Frère, Dieu l'a dit. Amen. Frère, la question. Amen. 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 Et seulement vous allez passer par les tests et les épreuves. Amen. Amen. Oui, frère. Et là, il n'est pas attendre ça. Il n'est pas attendre tests et épreuves. Ils ont peur de ça. Mais tu oublies que quand tu es né dans ce monde, c'est comme si on a tragédie. Il y a un tout là. Mais c'est un peu pour te débattre. C'est un monde de guerre. Tu vois, tu veux pas, tu vas faire la guerre dans ce monde. Oui. Pas la guerre. Tout ce qui vit fait la guerre. Tout fait la guerre. Tout fait la guerre. Et la guerre partout. Oui. Elle est partout. Le magui a moins de réseaux. Les gens ont moins de réseaux. Moins. C'est une guerre. C'est une guerre. Vous n'êtes pas ici au commencement. La guerre est en haut et lui qui vit ici. Donc quand c'est venu ici, ça a tout mélangé. Dieu vient dit, pour établir. Il te met dans un établissement, tu le vois aussi. Amen. Alors, et Josué se tient là, au 40. Oui. Et Josué se tient là. Loyal. Amen. Un petit homme dit, peu importe combien ils sont grands, peu importe quelle sorte de lance ils ont, combien hautes sont les murailles de la ville. Et comme cela est grand, notre promesse est que la porte sera poussée. Amen. 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 Il y a des gens, ils ont des épouses qui ont un caractère hors norme. Elle est hors norme de manière négative. Quelle raison de dire ça, je ne pense pas. Ça, c'est pas l'homme qui est en face de nous. Qui l'a dit ça? Tu dis que tu es chrétien en plus de ce message. Tu as une telle forme. C'est ce que tu fais la société. Donc, c'est ça qu'on va dire. Amen. Continuons. J'espère que vous suivez. Amen. Laisse-moi dire ça. Déjà, parce que quand on dit ça, il voit que, je ne sais pas quoi, travail, c'est tout. Amen. Même enfant, tout. C'est-à-dire que la guerre, là, c'est contre toi. La guerre, c'est contre toi. Les jeunes vont me blâmer. On a lu ici. Le caractère se prend son. Amen. Ça met du temps. Mais tu as gagné. Amen. Pourquoi? Parce que tu combats dans l'invisible. Amen. En fait, ce que le chrétien doit savoir, c'est qu'avant d'enclencher un combat, il faut que déjà, il fasse le tableau de sa victoire. Amen. C'est une bonne âme. Si tu combats comme ça, tu vas dans le pire. Car au lieu de tomber, ça chauffe, tu vas pas aller. Non! Va avec un tableau. Que tu rencontres avec une carte. C'est ce que Jésus a fait. Dieu a dit. Amen. 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 Vous voyez, c'est quoi pour l'envie? Pourquoi j'avais peur? Les gens sont calmés. Le père te dit, mon fils, dis ce que tu veux. La semence naturelle d'Abraham a peur. Mais la semence a dit non. Nous n'avons pas peur. Parce que le combat, c'est Dieu qui met sur moi. Amen. Sans doute. On a créé les avec une carte. Hein? Une carte routière. Amen. Amen. Une carte routière. Donc vous voyez, peu importe ce qui est sur la route,
doit être détaché. Amen. Et une carte routière. La carte routière dit, cette épouse que tu as épousée, voici elle était comme elle, une belle femme, gentille, soumise. C'est la carte routière. Amen. Quand tu vas, tu vois une machine à brûler devant toi, tu vois des trous, c'est pas ça le vrai visage. Quand tu vas, tu vois, elle est en tête, dominatrice, c'est pas ça, c'est pas elle. Et, on fait moi dire, on ne pas ça. Tu me vois ça. Chaque fois que tu vas chanter ça, ma femme, c'est là, ma femme. Satan dort, tu veux ton travail. Frère, qui est pour ça, c'est du bon. Amen. Va avec ta coutière. Métis là. Va avec. À chaque jonction du chemin. Alléluia. Tu penses là. Mais il a dit que quand il va arriver à cette étape-là, on changeait l'étape. Donc on a franchi. Dieu l'a dit. Amen. Amen. Oui. Amen. Et amen. Amen. Frère, c'est pas besoin, hein. C'est rien, frère. Et puis c'est fait. Quand on agit comme ça, on se passe comme prévu. Dieu bénisse. Oh frère, je vais laisser là-dessus pour dire que c'est comme ça qu'on doit vivre. Amen. On doit penser. J'étais à Bouddha hier. Il disait comme ça, un ancien. Il dit, mais ça c'est l'édifice, non? C'est la foi de Dieu. Vous voyez quand Dieu appelle l'homme dans l'édifice. Nous sommes témoins de ce que le pasteur, si il veut penser comme certains d'entre nous, ça ne va pas le faire. Qu'on ne veut pas, c'est ça qui est là. Mais aujourd'hui, on l'a compris. Il n'y a pas de honte à ça. Nous aussi, on a des dons aussi. Amen. On n'a pas honte. Oui. Amen. Là, on va prononcer pour toi aussi. Amen. On va prononcer pour la finition. Amen. Tu as pris pour la fondation. Nous, on va prononcer. Laisse-moi dire maintenant. On va combattre. Amen. Amen. Donc, on va les temps sont bien posés. Amen. Dans le cœur de Jésus. Amen. Peu importe la conduite qu'il y a là-bas, on va décrire les points. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. C'est ça qui est la vérité. Amen. C'est ça. Tu dis comment? Amen. 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 Qui a pris ça? Amen. Vous avez ça a été levé. Il dort maintenant. On est beaucoup même. Donc c'est plus facile. Dieu bénisse. Amen. Oh. Alors c'est bon. Vous voyez, il dit, notre promesse est que la foi sera posée par les mains de l'enfant de Dieu. Amen. Il dit, et nous allons la part pour les vaincre. Vous voyez, tes paroles qui dégagent. C'est pas simple. Il y a les frères. Je dis ça, c'est un soir, je ne veux pas trop de réunir. Frère, chaque mot de la Bible du message, je ne joue pas avec ça. Amen. Vous voyez? Il dit, et combien cela est grand, notre promesse est que la porte sera poussée. Amen. Combien l'ennemi est grand, combien le problème est grand, combien la maladie est cancérigène, peu importe, combien la chute est grande. Rappelez-vous, je prends mon cas, pas pour tout par l'islam. Mais quand je m'appelle chaque l'islam, je veux que le fond, la foi, la française, pas le monde. Un an de membres d'église dans le ministère, elle avait après un an. Je lui pose la question, elle arrive à ce que devant trois éminents professeurs qui ont tout clan à briser sur Dieu. Des athées de support. Elle est derrière vos éducations. Maintenant, préparez vos enfants dans trois mois, vous allez faire le fondement de votre fils. Et vous voyez, ils sont vulgaires et méchants en plus. Elle, c'est ni une écrite. Elle n'était pas confuse, ni couverte de honte, non, ni complexée, en face des gènes de la tienne. Elle est arrivée en face, s'il vous plaît, en les respectant en plus. Bon, attendez, Amen. Vous voyez, ne jugez pas les questions de votre vie. Amen. Représentez vos personnes dans leur bureau, ils sont trois. Ils font peur, ils sont timides. Ils ont laissé parfum là, qui en fait présent. Et puis c'est chaud. C'est ça. Elle connaît bien. Quand elle connaît bien, le corps ne connaît pas. Ils ont dit tout, ils ont montré les résultats des examens. Elle leur a dit, on n'a pas le problème. Amen.
Quand savez-vous? Elle dit, Jésus m'a dit. Amen. Il a guéri mon enfant. Amen. Alors ils ont dit pendant 3 minutes. Ils sont bien au fait. Elle m'a dit, quand on finit, elle dit, mais comme ça ne s'est pas de nous. Comme si ce n'était pas de Dieu, ils en sont en haut. Où tu l'as vu? Ça va sortir en haut. Alléluia. Dans sa puissance. Amen. Mais pourtant, c'est pas lui. Donc la foi vient de ce qu'on dit. Amen. Amen. Ce soir, la foi. Vous allez avec ce que tu as besoin. Amen. Et 30 jours après, qui est notre temps. Amen. Il a rien à faire, il dit, maman, comment tu as fait? C'est qu'il fallait poser comme question de base. Comment tu as fait? C'est ce qu'il m'a demandé. Comment tu l'as fait? Bon, tu l'as vu. Il se moquait. Là, il a été transcrit dans son script. Son bouson était oublié. Moi, j'étais un témoin. Son bouson. Hein, derrière, ça collait comme ça. Oui, parce que c'est pas possible. Comment, comment tu fais? Il dit, mais ça fait plus de rien. C'est ce qu'il a fait. Alors, il a fait ça à l'évangélisé. Son bébé nouveau, il a même la vie cancer aussi. Elle dit, mais l'enfant, bon, tu dis, tu as bien vu mon fils. Mais ton fils a cette même maladie. Donne ta vie à Jésus. Amen. La guérison de l'enfant. Amen. Il dit, pas question. Et vous voyez la suite. Je suis devant vous. Oui. Où est-ce là? C'est la foi qui fait sa foi. Il devait se faire. Vous voyez? Il dit, amen. Il dit, et comme cela est grand, notre promesse est que la porte sera posée. Amen. Par la sémence de l'enfant de Dieu. Dieu a déjà dit. Amen. Donc Dieu suit sa parole pour l'accomplir. Amen. Et toute cette sémence, il va en trouver. Amen. Et la copie, que lui l'a dit. Amen. Vous voyez ce qu'on fait? Donc, merci à le fait qu'il n'y a pas d'enfant. Merci pour qui? Amen. Ne soyez plus triste. Amen. Découragé. Amen. Non, frère. Ce n'est pas les notes annuées de Dieu. Ça n'existe pas dans ces notes. Non, 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 frère. Dans ces notes. Dans ces notes. Non, frère. Amen. Écoutez un peu ce que tu avais voir. Très bien, frère. Jamais de tristesse dans ces notes. Amen. Mais la joie, la puissance. Amen. Oui, frère. C'est tout. On n'a plus à policier, frère. Mais de jubiler. Amen. Merci pour mes enfants. Amen. Merci pour mes enfants. Amen. Merci pour ma guérison. Amen. Amen. La semaine d'Abraham ne voit pas ce qu'elle voit. Amen. Mais elle requête à ce qu'elle ne voit pas. Amen. Plantez cette phrase à un intellectuel. Il va dire, mais tu parles quelle phrase? Tu regardes ce que tu ne vois pas. Alléluia. C'est un langage abrahamique. Amen. Parce que nous, on entrevoit toujours des choses dans le Messie. Dieu bénisse. Vous voyez, il dit, et nous allons là-bas. Vous voyez, il dit, nous allons là-bas pour les faits. Amen. Nous sommes largement de taille. Amen. À leur faire face. Amen. Mais ça, il nous dit quoi? Si Dieu l'a dit. Amen. Il dit, oh, voilà la véritable sémence. Amen. 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 Alors que je sortais de ta vie maintenant. Il dit, beaucoup d'entre eux qui étaient issus de la sémence naturelle disent, nous ne pouvons pas le faire. Ils utilisent d'essayer. Et puis, ils sont plus nombreux et bien supérieurs à nous. Et tout, peu importe, ils regardaient à ce que l'œil voyait, alors que Jésus regardait à ce que Dieu avait dit. Amen. Pour terminer, un petit témoignage. Alors, bon, il y a un revenu, un jeune frère, qui baignait dans les génies des eaux. Un jeune qui a mordu par la parole. Un jeune baptiste, un monsieur baptiste, lui qui était moi qui est mal. Il était dans la disposition. Moulant comme le voyait, comme moi, faisant la tête chez lui, faisant le regard, j'en sors, parce que c'est lui qui doit venir là-bas. Ils l'ont visité. C'est vrai, ils sont priés pour lui jusqu'à là, ça commence à aller un peu, après là, rechuter. Dernièrement, ils sont allés le voir. Quand chacun rentre, dans le regard, ça sort. Donc, un premier passé. Donc, ça a attiré l'attention du jeune frère qui passait. Et il s'est approché. Il avait le bouquin, pour les autres, il est mort. Et quand il est rentré, il a regardé un peu le temps pour ça prier. Le seul endroit, c'est-à-dire qu'il entendait quelqu'un prier. Oh, il n'a jamais entendu sa vie. Mais pourtant, le livre baptiste à la peau, c'est des gens qui prient.
Lorsqu'il leur dit que Pierre le fait laisser. Un frère qui n'a pas fait encore 5 mois dans le message. Il a bombardé sur le message. Amen. Et le coup de côté passé dans le celui, il est rayonnant de vie. Amen. Il parle de vie, c'est bon. Il n'y a pas de revue. Il va s'élever à 4 du matin. Voilà. Tu connais le client fait dans la boule, là, le grand passé. Amen. Pour dire aux gens, s'ils ne pourraient pas s'en vivre mort, Jésus vient. Amen. On a assez vu. Oui. Il s'est venu Dieu. Amen. Amen. Oui, frère. Amen. Vous voyez ça? Amen. Comment l'homme sait ce que Dieu lui donne? Amen. Et après, il est reconnaissant. Maintenant, il veut témoigner. Amen. Il dit, l'église ne me suit pas pour témoigner, c'est trop petit. Amen. Dieu fait le village. Tu es reçu 4 de monnaie pour Dieu. Tu as dit à Jésus ou rien. Amen. C'est lui qui vient, frère. Amen. Oui, non, joue avec Jésus. Joue avec Jésus. Amen. Comme leur camarade. On dit, on est Jésus. Demain, on n'est pas lui. Dieu nous a fait. Alors que je sens que vous êtes témoigné. Vous voyez, ils ont dit, non, mais pas. Et puis, ils sont plus nombreux. Ceux qui viennent disent à eux, sont nombreux. Et Dieu supérieur à nous. Et tout. C'est ce qu'ils disent. Nos ennemis sont nombreux, il peut supérer à nous. Mais ceux qui disent ça, ils étaient plus nombreux que le camp de Josué. Il dit ceci, il dit, peu importe. Il regardait à ce que l'œil voyait. Alors que Josué regardait à ce que Dieu avait dit. Amen. Alors que je te dis de vous. La semence d'Abraham, frère, ne manquez pas sa semence. Oh. La semence d'Abraham ne regarde à aucune chose naturelle. Amen. Je vous bénisse. Amen. Il regarde à ce que le Seigneur a dit. Amen. C'est la promesse. Amen. Que s'est-il passé si Abraham avait regardé au naturel? Oh. À une femme âgée de 100 ans, de 90 ans plutôt. Lui qui en avait 100, et il avait vécu avec elle depuis qu'elle était jeune. N'est-ce pas vrai? Amen. Et lui, jeune homme, et il n'avait pas de postérité. Il ne regardait pas à ces choses. Et dit qu'il connaissait ces choses comme si elles n'étaient pas. Car il regardait seulement à ce que Dieu avait dit. Amen. Je te prie. Amen. Abraham, ce soir, mets ton nom. Amen. Vous savez? Amen. Dieu bénisse. Je te bénis là, Abraham. Et je te donnerai une postérité. Par Sarah. Donc frère, c'est pas que tu as. C'est pas elle. Tes jumeaux. Tes jumeaux. Fier toi. Amen. 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 Je te bénis là, Abraham. Amen. Et il le crut. Amen. Nous ne regardons pas à l'opposition. Non. Nous regardons à ce que Dieu a dit. Amen. Dieu l'a dit, c'est réglé. Amen. Et le même frère. Amen. Et le même frère. Amen. Dieu l'a dit, c'est. Dieu l'a dit, c'est. Pour nous bénir. Alléluia. 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 Amen. Regarde ce qu'il a donné. Un jeune qui a cru. Il a assez là-bas la puissance de la prière. Quelqu'un qui sort du fétichisme. Il passe. Il voit les propres frères. Pour ce dont les bâtissent. Il voit leurs frères. Il dit c'est impossible. Il sort en pleurant. Lui, il a fait passer, il voit la scène, il rentre. Il allume jusqu'à ce que le tableau change. Amen. Ce qu'il n'a pas dit, quand le monsieur s'est levé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ça n'a pas pu lui dire, mais c'est un jeu de prier. C'est pas ça? Il était dans la main. Ben, le monsieur, il attendait, mais il ne savait pas ce qui était passé. Vous voyez? Et nous sommes dedans. Amen. Ce soir, est-ce que tu crois de tout ton cœur que tu fais partie de la semence d'Abraham? Amen. La semence royale d'Abraham? Amen. Ce pour qui je lui fais mon carrière? Amen. Si tu crois cela, amen. Ne parle plus de la guerre du diable. Amen. L'opposition n'est rien. Amen.
le message. Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Jésus délivre encore aujourd'hui. Amen. Il libère encore aujourd'hui. Amen. Il pourvoit encore aujourd'hui. Amen. Il conduit encore aujourd'hui. Amen. Il délivre encore aujourd'hui. Amen. Il bâtit du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est pas espérance, mais c'est croire. Amen. Ta situation. Dieu ne donne plus qu'à nous dire. C'est ça que Dieu a dit. Peu importe nos positions. Il faut procéder. Amen. Donc, ton cas, ton cas là, ça doit être changé. Amen. Ton foyer, ton travail, les pissenlits, ça doit changer. Amen. Je dis, c'est Égyptien que vous voyez, vous ne le plus jamais. Prends ça à ton compte. Amen. Ça, c'est la possession. Yes. Tout ce qui fait la guerre. Amen. Le tout à fait légal. Amen. 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 Alors, amen. Toi, il va dire, tu ne l'as plus jamais. Amen. Tu ne l'as plus jamais. Amen. Tu ne l'as plus jamais. Amen. Et tu prends sa parole. Amen. Tu l'as tout le dos. Tu ne fais pas ça à ce que Dieu t'a dit de faire. Fais-le. L'esprit ne descendra dans le calabar. Prononce ta parole. Amen. Vous là, c'est tellement de vous. Yes. Ça finit quoi cela? Fais ton travail. Amen. 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 Tu vas prier. Ce soir, tu laisses la maladie là et tu t'as guéri. Amen. Ce soir, amen. Tu laisses les démons là, tu vas libre. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Jésus nous l'a dit. Tout est possible à celui qui croit. Ne lève pas le diable. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.
Notre Seigneur,
Yeah.
Éternel, mon Dieu, mon roi, il sait que tu es ici. Il croit que tu es ici. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Alors que Seigneur, qui a vu l'ennemi depuis longtemps, mettait la pression
on t'existe si comme l'église. Mais ce soir, tu es descendu simplement. Tu es descendu simplement. Éternel, mon Dieu, mon roi, que tous les liens, tous les fils démoniaques, que tout prophète, que tout sorcellerie, que tout maraboutal, que tout franc-maçon, que tout magie noire, toute manière de nous enseigner au Père, qui dit que tu as donné l'autorité, tu t'as donné l'épée. Éternel, mon Dieu, mon roi, alors ce soir, j'ai détruit les œuvres. J'ai détruit les œuvres. J'ai détruit les œuvres. Oui, tenez mon convoi. La maman dit que le Père, descends de chaque maison. Descends de chaque foyer. Descends, mon frère de Dieu. Descends, ma chère de Dieu. Descends, les femmes de Dieu. Descends, les bébés de Dieu. Que tout démon de l'enfer, avec le Lucifer à sa tête, soit détruit maintenant. Mon Dieu, mon roi, alors que l'ennemi t'attaque au père et l'attribué des frères et des sœurs, je prie au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'esprit des esprits, à part encore de l'esprit, je prie, Seigneur Père, que tout esprit qui fait barrière, qui fait blocage à l'attribué des frères et des sœurs de l'église, soit enterré maintenant, soit enterré maintenant, soit enterré maintenant. Et tenez mon Dieu, mon roi. La vie de ta parole au Père, que tu ne veux même pas voir la masse de ta maison. Alors que Seigneur, voici tes servants qui ont perdu cet enfant. Alors que comme il est descendu, je prie au nom de Dieu, tout vampire qui juste le sang de grossesse soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Soit égorgé maintenant. Soit égorgé maintenant. Soit égorgé maintenant. Éternel, mon Dieu, mon roi, à la même manière, j'en voulais prier que tes anges, mon descendent, prends tout contrôle sur les Seigneurs, mon Dieu, Père. Alors que Père, je frappe ta main, mes Seigneurs, au nom de Dieu, j'ai prié. Amen. 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 Je vous bénisse. Amen. Et merci pour la offrande. Il y a deux semaines de cela, alors que j'avais fini, j'étais quitté la formation, j'avais fini les cours, je rentrais à la maison. Je suis passé acheter quelque chose à manger avant de rentrer. Et j'avais une petite sacoche dans laquelle il y avait mon permis de conduire, mes trois cartes électroniques, mon chargeur et d'autres avec un peu d'argent. Donc j'avais le sac, la sacoche dans la main gauche avec mon téléphone dans la main gauche. Et pendant que j'étais en train de rentrer, j'étais de dos, il y a deux personnes qui sont passées sur une moto et qui ont tiré la sacoche de ma main. Donc, automatiquement, le téléphone est tombé et ils sont partis avec la sacoche. Donc, c'est quand je me suis abaissé pour récupérer le téléphone que je me suis rendu compte que je venais de me faire voler. Et il y avait une personne qui me suivait, qui était derrière moi, qui m'a dit « Ah, qu'il les a pu venir devant, mais le temps de m'avertir, l'acte avait déjà été posé. » Donc j'ai automatiquement appelé maman pour lui dire ah, que je viens de me faire voler dans le sac qui avait mes pièces et tout. Elle m'a dit « Bon, rentre à la maison. » Donc je suis rentré à la maison. Il y avait papa et le frère Élisée qui étaient à la maison. Donc tout de suite, je suis rentré, j'ai cherché mes pièces. J'ai vu ma carte d'identité. Mais mon permis et mes cartes étaient dans ma sacoche. Je suis parti avec ça à la formation. Donc, sur le champ, quand j'ai donné l'annonce, on a prié avec papa et puis le frère Élisée. Donc, dans les jours qui ont suivi, papa a demandé à ce que je parte faire la déclaration de perte de permis pour qu'on puisse la restituer. Mais j'ai traîné, j'avais vraiment pas envie de partir faire la déclaration. J'étais pas poussé à aller faire la déclaration. Donc j'ai traîné une semaine, deux semaines, sans aller faire la déclaration. Et c'est hier, maman a encore insisté et je suis allé. J'ai appelé le frère Lavry qui travaille à la police. Je l'ai appelé, il ne décrochait pas, il n'était pas au bureau. Donc quand je suis rentré à la maison, le soir, lui-même m'a écrit. Il m'a dit, quand je lui ai expliqué la situation, il m'a dit de venir aujourd'hui matin pour prendre l'OP et d'aller
la sous-préfecture, d'abord la préfecture d'Abobo, pour aller faire la déclaration. Donc, quand je suis rentré, j'ai dit ça pourquoi. Et ce matin, j'ai informé mon oncle que ah, je devais partir d'Abobo pour aller faire la déclaration. Il m'a dit, ah, ne pas toi, je vais partir. Donc, j'étais en train de rentrer, je rentrais dans la chambre parce que le matin, c'est mon oncle qui m'a réveillé. Il y avait des trucs à faire, donc elle m'a réveillé pour que je puisse l'aider. Donc je rentrais dans la chambre pour aller m'apprêter. Dès que j'ai ouvert la porte de la chambre, mon portefeuille dans lequel se trouvait le permis et les 3-4 prises se trouvait sur ma table. La table, je passe là tout le temps. Ça fait 2 semaines que la pièce est déroulée. Je passe là tout le temps. Si c'était là, j'allais forcément les voir. Donc j'ai pris le choix de monter ça à mon moment. Elle m'a dit non, Maté, c'est moi qui t'ai réveillé dans la chambre. Où est-ce que tu as trouvé là? Si c'était vraiment là, j'allais voir. Donc on a fait que remercier le Seigneur. Je suis allé voir. J'ai appelé mon frère parce que souvent on utilise les mêmes sacs et tout. Donc j'ai appelé. Je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas, c'est pas toi qui as posé les pièces là sur ma table. Il m'a dit, bon, Marie, il cherchait à prendre un sac et il a trouvé les pièces dans mon sac. Et donc il a soulevé, il a mis sur la table. Je lui ai dit, tu te rappelles quand je t'ai dit que mon permis était perdu et tout. Il dit, oui, qu'il se rappelle. Il dit, mais est-ce que tu veux le trouver là? Donc il m'a dit, ok, c'est bon, on va s'appeler. Donc c'est ainsi que j'ai retrouvé mon permis, mes pièces et tout. Donc je veux dire un grand merci au Seigneur. Les pièces, c'est dans le petit sac que les voleurs ont croisé, avec un peu d'argent. L'argent n'est pas grave. Mais Dieu a ramené les pièces dans le sac. Son cousin a commis ça matin. Il l'a passé sur la boîte. Vous voyez, que je lui ai remis avant-hier, c'est la boîte de comment dirais-je, café, à hier. Et toutes les pièces sont complètes. Sont là. Amen. Avec Dieu, il est Dieu. Amen. Seigneur. Précieux Père Céleste, tu es simplement merveilleux. Oui, toi-même, tu nous obliges à croire au surnaturel. Parce que les temps sont terminés. Et il faut qu'on soit conditionné pour les batailles futures. Et nous réalisons que il n'y a plus rien d'autre que cela dans lequel nous devons entrer simplement. Marcher simplement et vivre simplement dans cela. C'est ce que tu nous as dit ce soir. Oui, une épouse pour Christ loyale, noble, née pour vaincre. Merci Seigneur. Merci pour les requêtes qui ont été déposées, pour que tu as prouvé à cela. Merci de ce que tu as ramené. Oh, les pièces de ton fils. Et tout a été renouvelé. Oui, que ton soit béni à jamais. Maintenant, nous voulons placer notre retour dans nos maisons entièrement fermées. Que tu sois avec chacun des noms, que nous puissions adresser et sauver au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Voyez, quand on passe ces jours-là, il faut être dedans pour voir. Amen. Il faut être dedans pour voir. Et on doit croire, ne banalisez pas, pas ces choses-là. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, dit, même si mon couteau de poche est dans la maison là-bas, je suis à des centaines de kilomètres d'ici. Si je dis que c'est dans ma poche, ça sera dans ma bouche. Amen. C'est ça.
La foi déplace les objets. Wow. Mais si ta foi qui peut travailler un être humain, parce qu'il dit dans le cinquième psaume, l'heure est venue où, par cette parole-là, des membres manquants seront créés. Amen. Donc si on ne croit pas ça, on ne va pas nulle part. Amen. Amen. C'est la foi créatrice, la foi qui déplace. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. N'oublions pas demain, on ne lâche de rien. Voyez-le bien aimé, lentement ici. Voyez, jusqu'à à 23 heures et nous rentrerons. Amen. On n'a pas cru demain. Donc, on est ici, allons le soutenir. Amen. Ce que tu fais pour l'un, Dieu, voyez, permettra qu'on te fasse là aussi pour toi. Amen. Que Dieu obéisse. Rentrez en paix, je vous dis shalom. Shalom.